Bonjour, mesdames et messieurs. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Peter-Henri Barlerin, est arrivé en fin de séjour dans son pays d'accueil, c'est-à-dire le Cameroun. Et il a tenu, avant son départ, à aller faire ses adieux au président de la République, son Excellence Paul Biya. C'était mardi 14 juin 2020. Comme vous savez, c'était mon dernier audience d'adieu avec le président. Après demain, je pars, je quitte le Cameroun avec le cœur serré. J'ai hâte de commencer le nouveau chapitre de ma vie, donc je suis triste et content à la fois. Je crois que nous avons fait beaucoup de choses ensemble, le Cameroun et les États-Unis, surtout dans le domaine de la santé, l'aspect sanitaire, la lutte contre le VIH-Sida, le PALU et dernièrement le COVID-19. Nous sommes franchement préoccupés par le COVID-19 parce que ça tire l'attention loin de notre lutte contre le VIH-Sida. Donc j'ai demandé au président de veiller à ce que les ressources continuent, les flux continuent vers la lutte contre le VIH-Sida. Moi j'adore le pays, les paysages et surtout les Camerounais, les Camerounaises ordinaires et j'aurais aimé pouvoir me déplacer plus, mais ce que j'ai vu de ce beau pays me donne l'appétit de revenir plusieurs fois. Bon retour. Merci beaucoup. Nous attendons avec beaucoup d'anxiosité, ces maîtres, n'est-ce pas, du décryptage, un certain Niamsi, pour venir nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette visite. Est-ce qu'il faudrait donc procéder à une pétition ou alors il faut plutôt se rendre et regarder les maîtres de la politique faire leur travail. J'ai cité là son Excellence Paul Biya. Mesdames et messieurs, bonjour, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.